Hey yo les gens, c'est Vertigo, comment ça va? Moi pour ma part, les amis, ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World War 2 pour un petit glitch qui est assez stylé, enfin surtout fun comme vous avez pu voir en début de vidéo. Donc cela consiste à faire une frame ou une emote si vous préférez, tout en se déplaçant. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vous conseille deux emotes cast constants, car toutes les autres ne durent que quelques secondes. Donc ça veut dire que vous allez faire la frame et ensuite vous l'aurez plus et vous allez courir normalement. Donc alors pour le premier, c'est saut et écart de jambes. Donc celui-là, vous le trouverez dans les largages de ravitaillement. Ensuite pour le deuxième, c'est un mouvement standard qui est assis. Donc c'est où ce que le bonhomme il s'assoit. Pour mieux vous expliquer comment faire, je vais vous faire voir avec la frame assis. Comme ça pour vous, ça sera beaucoup plus simple, sachant que je sais très bien que tout le monde l'a. Et puis voilà. Donc pour commencer, il vous faudra dans un premier temps appuyer sur la touche de la frame. Donc une fois que la frame commence à se faire, vous allez appuyer en même temps sur rond. Et en même temps vous allez mettre le joystick gauche vers le haut. Donc normalement ça doit vous faire avancer plus vous accroupir. Donc vous faites les deux en même temps et normalement il va continuer à faire sa frame. Et vous allez vous déplacer, donc vous vous déplacez comme vous voulez et tout. Et maintenant vous pouvez aussi courir, donc il faut pas cliquer sur l'analogue, sinon ça va vous relever directement. Et du coup la frame ne marchera plus et vous serez obligé de répéter la manipulation. Donc ce que je vous conseille de faire, vous faites une fois croix. Donc une fois pour se mettre debout. Et ensuite vous pouvez courir normalement. Le problème de ce glitch est si vous tombez d'une hauteur, vous vous remettez debout. Si vous vous arrêtez, il s'arrête aussi. Donc voilà, mais bon, c'est quand même assez stylé à faire. Et puis voilà, donc je pense avoir tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à de liker, de commenter, de partager. Ça fait toujours plaisir. Et moi sur ce, je vous dis à plus tout le monde.